Salut à toutes et à tous, c'est Shinzel et on se retrouve aujourd'hui pour une petite astuce. Alors je sais pas si ce sera valable pendant longtemps, en tout cas ça fait depuis la sortie du patch que c'est valable pour moi, donc j'espère aussi pour vous. Excusez-moi par avance pour la voix, je suis un petit peu fatigué. Donc l'astuce, pardon, est assez simple. Ça va vous permettre de réaliser deux quêtes journalières pour les cristaux Apogides en une. Ce qui permet d'économiser du temps, mais aussi d'avoir beaucoup plus de cristaux. Alors, la première partie, ça va se passer dans votre fief. Vous allez donc sur le planning. Cette astuce ne fonctionne qu'avec les quêtes qui rapportent 1000 cristaux Apogée, donc celle de droite ici présente. Pardon. Ça ne marche pas si vous n'avez que des quêtes à 800 cristaux. Je ne sais pas pourquoi ça fonctionne avec celle de 1000 et pas celle de 800. D'un côté, tant mieux, c'est mieux ça que l'inverse, mais il y a des jours où ça ne fonctionnera pas. Ne vous inquiétez pas, c'est parce que vous n'avez pas de quête à 1000 cristaux. Et il y a des quêtes à 1000 cristaux qui ne fonctionnent pas. J'ai eu une quête, je pense, il y a 2-3 jours où ça ne fonctionnait pas. Donc voilà. Donc, autant vous prévenir, en tout cas, pour la majorité des quêtes à 1000 cristaux, ça fonctionne. De toute façon, ce n'est pas spécialement ce qui va nous intéresser. Donc voilà, vous prenez la quête à 1000 cristaux. Et puis ensuite, on va se retrouver. Donc je vais prendre ma pierre de foyer. On va se retrouver à Volmar, donc pour la Horde, c'est à Volmar, là où il y a les nouvelles quêtes de la jungle de Tanan, et on va pouvoir obtenir, enfin on va pouvoir prendre l'autre quête. Alors, donc, je me rends, voilà, vous retrouvez ici. Bon, moi j'avais déjà pris, la quête, mais je vais l'enlever. C'est celle-là, voilà, abandonné, ok. Hop. Voilà, donc je prends la quête, je prends celle qui me rapporte 2500 cristaux, donc qui se fait au trône de Kil'jaeden. Voilà, donc vous vous rendez simplement au trône de Kil'jaeden. Bon, après ça peut être dans un autre endroit, ça dépend le jour où vous faites cette astuce-là. Voilà, je prends un petit peu ma quête, hein, je ne les avais pas prises. Donc voilà, il suffit simplement donc de prendre vos quêtes journalières... cristaux Apogide, rien de bien compliqué. Voilà, hop. Et une fois que c'est fait, il vous suffit donc de vous rendre dans votre zone. Donc on se retrouve dans quelques minutes, une fois que j'ai fait ma quête, histoire de pas vous rabâcher avec ça. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve vers la fin de mes quêtes journalières, donc de la zone, hein, voilà, je suis à 96%. Donc ce que je vais faire, c'est je vais vous afficher la quête des 1000 cristaux qui se faisait à Gorkon. Voilà. Non, c'est pas celle-là. Comme par hasard, je vais pas la retrouver. Voilà, c'est Assaut. Sur la forteresse. Hop. Donc, il me manque quelques pourcents, voilà. Je vais délister le groupe. Tiens, je vais faire celui-là. Voilà, et hop, vous avez vu, les deux viennent de se valider en fait. Les deux viennent de se valider, donc c'est la preuve que cette astuce marche. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais retourner au fief. Donc vraiment, j'ai fait que ça. Je n'ai, j'ai pas été faire la quête entre temps. Vous avez vu, elle était vide. Et en fait, ça valide les deux automatiquement. Donc ça fait 1000 cristaux en bonus. Je vais dire ça comme ça. Donc voilà, on revient au point de départ. Je vais parler à mon gentil, PNJ. Et voilà, je me fais 61 PO et 1000 cristaux Apogides. Et j'ai complété l'autre en même temps. Donc voilà. C'est une astuce qui prend pas énormément de temps, qui est facile à faire, donc voilà. Donc je vous répète une dernière fois, ça ne fonctionne qu'avec la quête de 1000 cristaux, pas celle de 800, et certaines de 1000 cristaux ne fonctionnent pas. Celle par exemple de la fosse à Gorgon fonctionne, celle de Chatra aussi normalement fonctionne. Donc voilà, la quête à 1000 cristaux, pas celle à 800. Ensuite, vous faites votre quête, votre objectif de la jungle de Tanan normalement, le premier, et ça vous valide les deux. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette astuce. Je vous dis en tout cas un grand merci pour vos nombreuses contributions sur mes autres vidéos et le nombre de vues. Ça me fait vraiment plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter la vidéo, histoire
de m'offrir un petit peu plus de visibilité et de me remercier pour le travail que je fournis. Voilà, sur ce, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, salut !